le message, là, s'il vous plaît. Bon temps. Père éternel, on veut te remercier pour l'occasion de se réunir. On veut te remercier aussi que tu pourvois à nos besoins, questions argent. Puis on veut t'en remettre une partie de nos avoirs pour l'évangélisation, pour le lieu qu'on loue pour se réunir le dimanche. Et on veut que tu bénisses aussi les gens qui administrent ces sommes. On veut te remercier aussi pour du privilège qu'on entend de t'entendre ta parole prêchée par notre frère. Amen. Merci. Ce matin, on va regarder un sujet que je pense que ça fait, que c'est un besoin dans ce temps ici. Comme j'avais dit je ne sais pas si la semaine passée ou deux semaines, lorsqu'on était confinés, ma femme et moi, on commence à regarder certains messages des différentes personnes qu'on connaissait, juste pour avoir des messages de l'un à l'autre. Puis, une chose, j'ai remarqué, la première fois qu'on écoutait, il y avait plusieurs qui ont parlé concernant la paix. La paix. Et je crois que exactement c'est le Seigneur qui a dirigé le même. J'imagine qu'il y a beaucoup de chrétiens qui étaient inquiets aussi, puis qui avaient besoin d'entendre la parole de Dieu concernant la paix. Alors, il y a deux semaines, les enfants, je vous donne un petit examen. Je ne vais pas demander les adultes parce que. Parfois, on oublie aussi vite. Mais les enfants, dites-moi, il y a deux semaines, qu'est-ce qu'on a enseigné? Ça, c'est difficile, là. Protection de Dieu, OK. Je n'ai pas utilisé les illustrations cette semaine-là. OK. C'est bien, mais on a parlé comme ça, la protection de Dieu, et on fait tout le travail de la Bible, de différents personnages bibliques qui Dieu a protégé, et dans le temps sombre, lorsqu'ils ont sorti de ce temps sombre, Dieu les a utilisés pour sa gloire. Et, oui, c'était cette semaine-là qu'on a parlé de telle et puis. Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Il avait raison. Dans ma tête à moi, c'était la semaine passée. Tu as raison. On a utilisé l'exemple de la parapluie. C'est vrai. Bravo. Et la parapluie, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on voit la parapluie, on doit penser de quoi? Les enfants. Oui? À la pluie. À la pluie? Oui, c'est bien ça. La pluie nous. Le parapluie nous protège. Pensez à Dieu, OK? Mais le parapluie nous protège contre la pluie, hein? Que ça ne tombe pas sur la tête. Et lorsqu'on voit un parapluie maintenant, pensez à Dieu. Pensez que Dieu nous protège. C'est un exemple que Dieu nous protège. Maintenant, la semaine passée, de quoi on parlait? Les enfants. Oui? Il n'a pas compris. La lumière, OK, bravo. Maintenant, je vais juste te maturer. Tu penses que tes enfants n'écoutent pas, hein? J'ai amené ça ici. Et moi, j'appelle ça un switch, mais ils disent que c'est le mot, c'est interrupteur.
OK. Et lorsque c'est le switch qui est toujours dans le mur, on le voit. Et lorsqu'on veut la lumière, on ouvre le switch. On ne pense même pas. Il est toujours là. Lorsqu'on part en vacances pour 2-3 semaines, puis on revient à la maison, souvent la première chose, spécialement dans la nuit, la première chose qu'on va faire, c'est ouvrir le switch pour voir la lumière. Puis on a parlé concernant la quoi? La fidélité de Dieu. C'est bien. Bravo tout le monde. Parce que ces petits jouets que j'amène comme illustration, c'est pas juste pour jouer, c'est pour moi, oui, pour jouer un peu, là. Mais c'est pour nous aider à faire rappeler le message. Parce que je sais, souvent, on part et on oublie après une heure, à peu près. Hein? Ça arrive. Et avec les illustrations, mais le Seigneur utilise ça pour que ça colle un peu plus dans nos pensées, dans notre cerveau. C'est bien. À ce matin, on va parler concernant la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, la paix? Vous savez, mais les enfants, est-ce que vous comprenez vraiment qu'est-ce que ça veut dire la paix? Et pour nous aider à comprendre ça, j'ai mis des illustrations. Bon, c'est Jean-Mi, qu'est-ce qu'on va sortir de ça? Un coussin ou un tétorier, je parle mais de tétorier parce que je pensais que peut-être ma femme n'aurait pas aimé ça que j'amène le tétorier. Mais un coussin. Pourquoi un coussin? Lorsqu'on se couche, on sent bien sur notre tétorier, hein? Et on s'endort. Pourquoi? Parce qu'on a la paix. Ça nous donne un sens de sécurité parfois. Hein? Il y en a même des adultes, quand ils voyagent, ils amènent leur propre tétorier. Parce que le tétorier, il n'y a rien comme notre propre tétorier. Ça donne un sens de sécurité, mais ça donne un sens de paix. Puis on s'endort. OK, les enfants? La paix, c'est un sens de. Lorsque vous couchez sur votre tétorier, vous endormez parce que vous sentez bien là. Vous avez la paix. OK? C'est ça. La paix. Une chose certaine, lorsqu'on regarde la nouvelle, on entend de nouvelles et partout dans le monde, il n'y a pas de paix. On entend concernant les émeutes, les protestations, les guerres, les meurtres, les violences de toutes sortes, l'épidémie et les incertitudes de toutes sortes, même des suicides. Ça, c'est pas une image trop jolie. Ça, c'est certain. Même si on regarde ça, ça devient décourageant. Mais c'est ça l'image du monde. Ou peut-être c'est l'image qu'il veut nous donner du monde. Parce qu'on sait que les médias aiment donner des choses plus négatives de ce qui se passe dans le monde. Donc, je crois que moi-même, je crois que le monde cherche la paix. Mais souvent, ils ne cherchent pas dans la bonne place. Et il y en a qui savent où aller pour avoir la paix, mais ils refusent d'aller. Parce que ça va leur déranger un peu. La paix se trouve sur le monde, et vous savez la réponse. La paix se trouve sur le monde en Jésus-Christ. Et on veut regarder certains versets ce matin, mais
Pour la plupart du temps, on va rester dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et on va lire versets 1 à 6 ce matin. Talia, peux-tu lire 1 à 6, s'il vous plaît, dans Jean 14? J'apprécie que les jeunesses lisent pour moi. Vas-y, très fort. Oui, oui, c'est bien. Vas-y. Merci beaucoup. Ici, pour commencer, je crois qu'on peut dire que c'est une invitation que Jésus est en train de donner. Il est en train d'encourager le monde de croire en Dieu et croire en Jésus-Christ. Les enfants, supposons que vous recevez une petite note, une petite lettre, et quelqu'un vous invite dans cette lettre pour aller à une fête d'un de vos amis. OK? Et vous êtes invité là. Et vous avez le choix d'accepter, oh oui, je veux aller ou pas. Dieu est en train de donner une invitation ici. Et on a le choix d'accepter ou rejeter cette invitation. Il est en train de nous inviter d'aller demeurer chez lui. Et chez lui, c'est où? Au ciel. Ah, donc, on veut... Lorsqu'on lit ce verset, il dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Il y a deux choses ici. Beaucoup de personnes peuvent dire « Je crois en Dieu ». Il y a peut-être moins et moins de personnes aujourd'hui qui vont dire ça, parce qu'il y en a beaucoup qui croient en rien. Mais c'est la manière que je peux voir ici, ça prend plus que juste croire en Dieu. Il faut croire en Jésus-Christ. Dans Jacques chapitre 2, verset 19, c'est marqué, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons les croient aussi. Et ils croient aussi, et les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Lorsqu'ils entendent le nom de Dieu, ils tremblent parce qu'ils connaissent, ils croient que Dieu existe. Il sait que Dieu existe et il sait aussi la puissance de Dieu. Mais ils ne sont pas sauvés parce qu'ils croient en Dieu. Lorsque quelqu'un va dire « Je crois en Dieu », qu'est-ce qu'il veut dire? Je crois que tout ce qu'il est en train de dire, c'est « Je crois que Dieu existe ». Alors Jésus-Christ les amène plus loin. Et croyez en moi. Il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Je vais juste lire deux autres versets dans Romains, et je crois que c'est la clé ici de tout le trouble qu'on peut avoir dans le monde, que le monde manque la paix. Pourquoi? Dans Romains chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Pour avoir la paix avec un ou l'autre, il faut avoir, premièrement, la paix avec Dieu.
Et je crois que nous voyons tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui parce que le monde cherche la paix et il ne la trouve pas parce qu'il ne cherche pas la bonne place. Il faut avoir la paix avec Dieu. Et lorsqu'on a la paix avec Dieu, on a la paix ici en dedans. Oui, et des fois, ça peut brasser. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des voyages dans les canaux. Mais les canaux sont assez sécuritaires. Mais lorsqu'il y a une petite vague sur le lac, là, ça ne prend pas grand-chose pour brasser les canaux. Là. Puis on se tient là-haut. Wow. Mais c'est la même chose dans la vie. Parfois, les choses peuvent brasser, mais on peut avoir la paix en dedans, il faut avoir la paix avec Dieu. Et un autre verset dans Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une fois qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, il nous pardonne de nos péchés. Et on a la vie éternelle. Et il n'y a aucune condamnation. Le monde a besoin d'entendre le message de Jésus-Christ. Ils ont besoin de paix avec Dieu pour avoir la paix en dedans. Et ici, il continue. Et lorsqu'il parle pour plusieurs. Demain, j'ai demandé à ma femme de venir et lire une histoire. Une histoire des oiseaux. D'insectes oiseaux. Ma femme, elle aime les oiseaux. Mais je ne peux pas commencer dessus. Une longue histoire, mais elle va lire l'histoire de certains oiseaux. Les enfants, écoutez bien, parce qu'elle parle de l'histoire des oiseaux, ok? Et vous allez apprendre de quoi la nature. Donc, retenez, c'est juste un petit oiseau qui a une tache rouge sur sa tête, et on l'a au Québec, celui-là. Presque tous les êtres vivants ont besoin d'un bon endroit où loger. Il leur faut un endroit sec, à l'abri des intempéries, ou un endroit sûr à l'abri de leurs ennemis. C'est pourquoi la plupart des animaux et des oiseaux passent une bonne partie de leur temps à se faire un gîte ou un nid. Ils veulent être à l'abri avec leurs petits. Le roitelet est un des oiseaux les plus affairés lorsqu'il fait son nid. C'est le père qui a la tâche de construire la demeure familiale. La mère, elle, ne s'intéresse même pas à lui tant qu'il n'a pas terminé la nuit. Il part en chasse dès le tout début du printemps, cherchant quelque chose de déjà construit qu'il pourra aménager lui-même. Il visite toutes les vieilles boîtes de conserve, les cabanes d'oiseaux abandonnées et même les vieux nids. Une fois qu'il a trouvé l'endroit qu'il veut, il le réarrange selon son goût personnel. Il ajoute brindilles, bâtonnets, bouts de ficelle et autres matériaux, jusqu'à ce que tout lui semble bien confortable. Mais son travail n'est pas terminé pour autant. Il va falloir qu'il trouve et aménage un ou deux autres endroits. Madame est difficile et elle voudra en visiter plusieurs avant d'arrêter son choix. Quand le mâle a fait ce qu'il faut, il commence à chanter pour encourager la femelle à visiter les appartements disponibles. Si elle en choisit un, elle commence par y ajouter quelques plumes de son choix et à le réaménager selon son goût à elle. Ce n'est qu'après cela qu'elle consentira à y fondre ses œufs. Mais le travail des mâles n'est pas encore terminé. Il doit maintenant protéger les œufs. Une fois qu'ils sont éclos, il se joint à la femelle dans sa recherche constante de nourriture pour les petits. À deux, ils quadrillent le voisinage pour y trouver tous les insectes. Ils font cela pour un bon mois.
chacun attrapant une centaine de repas. Une fois que les petits sont assez vieux pour se débrouiller tout seuls, la mort recommence le tout. Il recommence à réaménager dans l'espoir d'avoir une autre couvée ce même été. Tout comme les oiseaux, les humains ont besoin d'un endroit où habiter. Mais nous ne voulons pas qu'une habitation sur cette terre. Nous en voulons aussi une dans les cieux. Jésus nous a dit qu'il y a beaucoup d'endroits où demeurer dans la maison du Père. Il nous a promis de nous y préparer une place pour que nous soyons avec lui pour toujours. Nous ne savons pas à quoi rassembleront les logements là-haut, mais nous croyons que la maison de notre Père céleste doit être formidable. En mettant notre foi en Jésus, nous pouvons, toi et moi, réserver une place au ciel. Dieu le Père s'occupera de toutes les démarches nécessaires. Il y a beaucoup d'endroits où demeurer dans la maison de mon Père, et je vais vous préparer une place. Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Jean 14. Merci. Merci. Alors les oiseaux cherchent une place et tout animal cherche des places pour demeurer. Et comme c'est marqué et comme ma femme a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Dieu ne compte pas, Jésus-Christ ne compte pas les mensonges. Et d'aller pour prendre une place, et il va revenir un jour. Comment avoir une place, les enfants? Comment avoir une place pour vous dans le ciel? Écoutez bien, les enfants. Oh, je suis en avant. Merci. Comment avoir une place dans le ciel? C'est d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur et votre vie comme sauveur. Et il ne faut pas dire que vous êtes trop jeune. Parce que parfois, nous, les adultes, on dit, oh non, tu es trop petite, là. C'est pas vrai. Parfois, vous pouvez comprendre mieux que les adultes dans les choses spirituelles. Je connais un homme aujourd'hui qui est à peu près mon âge, même il est mon âge. C'est pas moi, par exemple. Il avait 8 ans qu'il a accepté le Seigneur. Il a resté fidèle avec le Seigneur toute sa vie. Et est allé dans l'œuvre du Seigneur aussi. À 8 ans. Donc, les enfants peuvent comprendre que Jésus dit, plus loin, dans verset 6, il dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Le seul chemin pour aller vers Dieu, pour aller au ciel, c'est par Jésus-Christ et pas d'autre. Vous pouvez dire, les enfants, oui, mais papa et maman sont des chrétiens, ils viennent à l'église. Mais ce n'est pas l'église qui vous sauve. Ce n'est pas papa et maman qui peuvent vous sauver non plus. Papa et maman peuvent vous aider de comprendre les choses spirituelles, vous encourager, vous emmener à l'église ou les rencontres. Mais c'est vous qui doit accepter Jésus-Christ dans votre cœur vous-même. Demandez pardon pour les choses que vous avez mal faites et demandez le Seigneur de venir dans votre cœur et votre vie. OK? Vous n'êtes pas trop jeune. Et si vous êtes intéressé, viens me voir après. Et on va prier ensemble. Et je vais vous montrer un verset et vous pouvez accepter le Seigneur même ce matin. On va continuer maintenant. Tout le monde veut avoir une place pour demeurer.
Et Jésus-Christ a promis pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur personnel, il y a une place pour eux. Et je sais que quand je vais partir de cette terre, il y a une place pour moi. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel, à 12 ans même. Et je sais qu'il y a une place pour moi. Pourquoi je sais? Parce que la Bible me dit, et la Bible est la vérité. Il y a toutes sortes d'idées dans le monde aujourd'hui, mais la Bible est la vérité. C'est la Bible qui nous montre le chemin pour aller au ciel. On va continuer maintenant dans cette étude. Et pour avoir la paix dedans, il faut savoir où on va passer l'éternité. Pour avoir la paix avec Dieu. On va regarder maintenant d'autres versets. Et versets 15 à 18. Ruben, peux-tu lire ça? Peux-tu venir en avant, s'il vous plaît? Ça ne dérange pas? Si ça ne dérange pas, parce que ça va. Ta voix, je pense qu'elle va porter plus. 14, 15 à 18, s'il vous plaît. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et vous donnerai un autre consolateur afin qu'il demeure éternel avec vous. L'Esprit vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai avec vous. Merci. Alors, dans le verset 16, il a promis un autre consolateur. Parce que n'oublie pas, Jésus, il sait déjà, il s'en va lui. Il sait qu'il va mourir sur la croix. Et il a dit, il va envoyer un autre consolateur. Parce que lui, il s'en va. Et cet consolateur, c'est son esprit. Son esprit va venir et demeurer, juste pas pour deux ou trois jours, il demeure éternellement avec nous. Et je trouve que c'est important. Une fois qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, il nous sauve, mais il nous donne son esprit. Et c'est ça l'esprit de Dieu qui nous aide de vivre pour Jésus-Christ. Ceux qui disent que je ne suis pas capable de vivre pour Jésus-Christ. Mais on n'est pas capable en nous-mêmes. Mais une fois qu'on accepte Jésus comme sauveur, il nous donne son esprit et l'esprit de Jésus-Christ nous donne la force pour vivre pour lui. Il va toujours avec nous. L'esprit, et il marque verset 17, il parle de l'esprit de la vérité. Et le monde ne peut pas recevoir cet esprit. C'est pour ceux qui acceptent Jésus comme sauveur personnel. Jésus-Christ donne son esprit. Et il dit dans verset 18, il ne nous laisse pas orphelins. Il va nous laisser toutes seules pour dépanner le mieux qu'on peut. Alors, il donne son esprit pour qu'on peut vivre pour lui. Et il ne demeure pas juste temps en temps avec nous, il demeure éternellement avec nous. Mais il faut accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. Maintenant, pour illustration aussi, j'ai amené ça ici. Les enfants, vous connaissez ça? Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que c'est la différence entre ça et ça?
Tous les deux sont jaunes. Tous les deux sont les ballons. Mais qu'est-ce que c'est la différence? Oui. Je n'ai pas compris. Excuse-moi. Il faut répéter parce que j'ai. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que celui-là il n'est pas gonflé et l'autre l'est gonflé. Oui, gonflé avec quoi? Avec de l'air. Mais oui, il y a de l'air dedans. Mais vous disiez ça, mais vous ne voyez pas de l'air. Vous ne voyez pas l'air. Mais vous voyez le résultat, par exemple. Hein? Ça fait enfler, ça fait un ballon, hein? C'est la même chose avec l'esprit. L'esprit, on ne le voit pas. L'esprit, on ne voit pas. Mais l'esprit qui travaille en nous change nos vies. Et comme il y a des témoignages qu'on a eu des personnes qui vont dire, Jésus-Christ a changé ma vie. Transformer, c'est le mot. Merci. Parce que c'est l'esprit qui demeure. Et ça, c'est la différence entre ce ballon-là. Ça, c'est comme le monde. Le monde, c'est comme ça, là. Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu en eux. Mais lorsque l'esprit de Dieu vient, il demeure en eux, leur vie est transformée. Comme un ballon. Là, on ne voit pas l'esprit de Dieu, mais il est là. Mais la Bible nous enseigne qu'il est là pour nous, premièrement, c'est le consolateur. Il est là pour nous diriger, pour nous enseigner. Et il est là pour nous aider dans les épreuves. Il est là pour nous aider de vivre pour Jésus-Christ. Si on regarde... Et on n'a pas lu 25 à 27, là. C'est, excusez, 25 à 27. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverrait à mon nom, vous enseignerait toutes choses. Il nous enseigne. Et vous rappelez tout ce que je vous ai dit. Je vais poser une question, mais c'est pour moi personnellement en réalité, mais on peut rappeler la mathématique, on peut rappeler l'histoire et beaucoup de choses, mais quand c'est des versets bibliques, on trouve ça dur. Hein? Pourquoi? Parce que c'est spirituel. Et le Saint-Esprit est là pour nous faire rappeler lorsqu'on a besoin, la parole qu'on a besoin. Et le Saint-Esprit est là comme consolateur dans le temps de besoin, dans les épreuves, il est là pour nous donner la paix et nous aider dans ces temps-là et nous donner les versets qu'on a besoin. Alors, n'oublie pas cette illustration avec le tétorier, il est là pour nous donner la consolation lorsqu'on a besoin. Et la paix, même si le monde est tourné en arrière. La paix en travers les épreuves, les maladies, les épidémies. Regardez toujours vers Jésus. Philippiens, pour terminer. On va regarder les versets que vous connaissez très bien et on va terminer avec ça. Chapitre 4, 4 à 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Pourquoi il dit je le répète? Parce qu'on a besoin d'entendre ça. Parce qu'on oublie assez vite. Que votre cœur soit connu de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, remarquez bien ici, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications, les actions de grâce, et ça c'est les remerciements. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, lorsque vous allez dans la prière, il vous donne la paix. Et même le monde ne peut pas comprendre. Pourquoi toi tu as la paix quand ça tourne tout en avant à côté? Parce que Dieu donne cette paix. Alors, et il va nous garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors, je vous laisse avec cette parole. N'oublie pas de regarder vers le Seigneur, celui qui donne la paix et celui qui prend soin de nous. Alors, pour terminer, les enfants, la paraplie veut dire quoi? La paraplie, je n'ai pas emmené, par exemple. On va prétendre qu'il y a une paraplie, etc. OK, ça veut dire quoi? Dieu nous protège. Le switch, ou l'interrupteur, veut dire quoi? La lumière de Dieu, OK, c'est la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, il est toujours là et prêt. OK? Tout ce qu'il faut faire, c'est parler avec lui. Et l'intercorrier veut dire la paix. On dort bien sur notre intercorrier, hein? On a la paix. Le ballon? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. On ne voit pas, mais il est là et il change des vies. Et les enfants, Dieu veut changer vos vies aussi. Tout ce qu'il faut faire, c'est accepter Jésus comme sauveur personnel. On va laisser ça le même. J'ai demandé à Baba, veux-tu prier s'il vous plaît pour terminer? Merci. Ce matin, on va aider Dieu de nous enseigner sur la thématique de la paix. Cette paix se trouve en Jésus-Christ. Merci pour cette invitation que ton fils Jésus-Christ a. Nous allons rentrer chez nous, bénir notre semaine, que nous demeurons en paix en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Le Seigneur vous bénit. Regarde toujours vers lui. Et en regardant vers lui, vous allez demeurer en paix. Parce que c'est lui qui donne la paix. Le Seigneur vous bénit. Amen. Bonne semaine. Amen.